Yes, salut à tous, ici Rizou. Donc nous voici pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Darksiders. Donc on est arrivé dans une sorte de nouveau monde. Tiens, on parle nouveau monde, nouveau ennemi. Oula. Commence déjà à chauffer ici. Oula, ah oui c'est vrai que je suis en mode apocalypse, faut pas oublier. Bon apparemment on a juste à les choper et on peut les tuer facilement. Ouais j'ai déjà plus beaucoup de vie déjà. Donc on va revérifier la carte parce que ça fait pareil un petit moment que je joue pas jouer. Ouah. Il commence pas à faire les conneries avec la carte. Donc la suite de l'histoire serait là. Enfin notre objectif principal. Pâle. Ouah. Du mal aujourd'hui. Donc on va s'amuser. J'ai pas de carte pour avoir les trésors comme avant. Donc on va fouiller un peu la zone. Hein. Je viens là. Mais y'a quoi là-haut? Est-ce que je peux casser ça? Oui, je peux casser ça. Ok. Autant casser, ça nous fait des armes en plus. C'est toujours bien. Ouais, en fait, ça permet juste de revenir là, d'accord. Donc on va explorer un peu la zone. On va trouver ce qu'on peut trouver. Ah, des soldats venus de sous terre qui... Kreman et Darksider, c'est pas la même type de visée et ça me perturbe beaucoup. Voilà. Ouh. Ouh, il y a beaucoup d'ennemis. Oh putain, encore ça. Ah, je t'aime pas, toi. Je t'aime pas, toi. Non, dégage. C'est la zone. Enfin, squelette. Enfin, peu importe. Et je me fais massacrer et c'est pas bon du tout. J'aurais peut-être dû acheter des soins chez les marchands. Hop. Allez, donne-moi de la vie toi. Non, tu me donnes rien. Égoïste. Ah. Mes pouvoirs, c'est... Ouais, ouais. Yep, on va éliminer celui-là. Ça va être tranquille. En fait, on va l'aimer d'abord le petit génère, comme ça, tranquille, suite. Hop! Normalement, tant que je fais l'exécution, on peut pas m'attaquer, que si tu rigoles toi. Oula, oula, oula. Tu vas exploser? Non, il n'explose pas. Ah, il explose! Voilà, vas-y, redonne-moi de la vie. Ouf, ça fait du bien. Il y a un passage ici. Ah, il y a un coffre. Wow. Une gueule, toi. Ah, c'est bien ça. Rien derrière. Non, c'est juste un coffre, ok. Il y a encore une sorte de symbole bleu là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un petit truc à visiter vite fait. Pas pour zombie. Ouais. Oh, il y a encore des démons comme ça. Ok, ok. Comment on faisait? Ah, c'est comme ça. Voilà. Ah, par contre, le chat là, ça va pas le faire si tu mets devant. Voilà. Ah, c'est déjà. J'ai fait aussi mal avec les voitures. D'accord. Ok. Bon, cela, on va enchaîner. Ah, oui, c'est vrai que j'ai la touche Y en combo. Attends, juste deux secondes. Le chat qui m'énerve. Voilà. Ah, le chat il arrête pas de se mettre devant. Donc, désolé. Voilà. Oui donc alors je disais j'ai l'info qu'il y a une arme en fait je peux augmenter mes combos en fait avec ça. Donc qu'avons-nous là-bas?
Rien de spécial. Hop. Ok, ici c'est le vide. Ok, d'accord. Hop. Bon, on va revenir en arrière. Enfin, par ici plutôt. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir d'autre? Il y a des tombes qu'on peut casser. Okay, ça. D'accord, si je visite l'élection, quoi qu'il se passe, là, il faut la source. Ok. Oula, j'ai pas tombé dans le vide. Ok. Ah, encore une chauve-souris ici. Ouais, elles font mal, elles sont pas trop dangereuses encore quand on sait bien les prendre. Du coup, je reviens en arrière un peu, j'ai fait le tour vite fait. Juste comme ça, il y a quoi là-bas? On va d'abord éliminer cela. Ça, on est tranquille. Là, oh, là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Quoi, il m'a touché l'autre? Non. Ah, je récupère quand même très bien vie. Voilà. Donc, il y avait quoi ici? Parce que j'ai pas regardé tout à l'heure. Il y aura sûrement un truc. Encore des symboles bleus. Ah, c'est le marchand. Ok. Alors, attendez. Donc, ça... L'essence de la vie, ouais, 500 grammes ici, je voudrais plutôt prendre autre chose, moi. Du genre, par exemple, une petite technique. Une revue aérienne. Ça, ça m'intéresse, ça. Tu es tout aussi sage que puissant. Ça, ça m'intéresse. Ça aussi, ça m'intéresse. Voilà. Fait que la vie, on apprend plutôt des techniques pour nous défendre. Donc alors, si j'ai bien compris, hop, on peut faire ça. D'accord. Et là, attaque chargée, d'accord. Mais c'est bien tout ça. On va prendre une technique intéressante. Parce que du coup, si j'arrive à faire voler en l'air. Alors par contre, je m'amuse avec ça, avec mes techniques, mais il faut que je fasse gaffe à ma vie quand même. Hop là. Et hop, t'es en technique aussi. Ouais, donne-nous un peu de vie quand même là. Allez, sois gentil, non, t'es pas gentil. Toi, est-ce que t'es gentil? Non, tu n'es pas gentil. Attends, est-ce que t'es gentil? Non. Toi, est-ce que tu me l'as vu? Non. Est-ce que tu me l'as vu? Non. Toi, non. Bon, au moins, ça me fait des âmes. Oula. Merde, je l'ai vu. Oh, c'est bon. Le drôle petit zombie qui garde espoir pour le faire nous vaincre. Du coup, là-bas c'est un petit truc qui est qu'il y avait, j'ai ramassé le coffre il y a pas longtemps. Bon, les tombes à casser, c'est toujours bien pour récupérer des âmes. Voilà, toujours pas oublié que j'ai ceci. Non. Bon. Est-ce que je peux casser les tombes comme ça? Non. Par contre, comme ça,
Non, non. Ah, d'autres ennemis? Ah, peut-être que le fait que j'ai cassé tous les trucs principaux, ça m'a permis de faire apparaître des coffres. Ces coffres-là, c'est... Non. Enfin, ces coffres-là, c'est tombe. On dirait qu'on peut les déplacer, ouais, ce que je me disais aussi. Ah, passe comme ça, comme ça. Oui. Alors attends, juste avant, on va ramasser le coffre. On pense en dire un coffre de soin. Ah non, un éclat de pierre de vie. Ah mais ça c'est important, oui. Ah non, ça nous régénère. Aujourd'hui, à chaque fois, je lis pas les trucs. Et je crois que c'est un truc qui permet de... Jure. Bon, on va pas attendre qu'on voit pas assez. On va taper avant. Non, j'aime bien l'attaque. Que je la trouve trop petite la zone, mais je suis sûr qu'il y a moyen d'améliorer tout ça. Ah, mais comment est-ce qu'on va me faire mal, toi? Je vais m'enregistrer ma vie, c'est pas... Ma vie encore. Hop, ça c'est pour le game. Et mais du coup il y avait juste ceci, ok. Bon bah c'est bien tout ça. Alors, qu'avons-nous d'autre? On a tout fouillé ici dans la zone. Ah, il y aura une autre tombe à déplacer peut-être là-bas. Ah, c'est pas une tombe, il y a déjà le chemin, ok. Vous voyez que ça sert bien de regarder les cartes. Comme ça, on voit ce qu'il y a en dessous de la zone. Et évidemment, il y a celui que j'aime pas du tout. Il m'a touché une fois. Puisqu'on est dans une zone un peu serrée, alors s'il va m'exploser la gueule, ça va pas le faire. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait exploser. Ah, il explose. C'est vrai. Oh, mais non, j'ai cru qu'il avait déjà explosé, mais non. Oh la triche, le mec il me fait une feinte avec une explosion pour faire croire qu'il a explosé. Ah, notre artefact, c'est cool. Et il resterait le bâtiment là-bas, ok. Déjà, on va voir Vulgrim pour ramener ce qu'on a trouvé. Hop, échanger artefact. Ah ouais, c'est vraiment la grosse monnaie d'argent. Quoi. Ah, je peux m'acheter des trucs. Ah ouais, non, mais alors, le prix de tout ça. Bon. On va d'abord. Ah ouais, est-ce que je peux monter niveau 2 les attaques que j'ai apprises? Intéressant. C'est quoi déjà le percute à l'épée? Ah, c'est ce que j'ai dû faire sans faire ce pas tout à l'heure. Bon, on va. Tu es ça. Tout aussi sage et que puissant. Un coup derrière le dos. Ouais, bah tiens, 666 qui me reste. Une attaque, pose. Attaque, bon. Alors. D'accord, ça fait ça en fait. Ouais, ça me fait un petit combo quand j'attaque en arrière, quoi. Donc, il y a d'autres personnes là-bas. Là, c'est une petite zone à explorer. Il y a un coffre. On va d'abord détruire les ennemis, après, le coffre, on va ramasser parce que ça a l'air d'un coffre de soin. Ah, oh, putain, on a explosé la gueule. Ok, ok, d'accord. Je vois un coffre de soin, je commence à être négligent déjà. Ça va pas le faire. Non. Oh mais non, c'est pas possible. Bon. Ah, c'est pas. Bah, première vie perdue. Est-ce que j'ai un...
Ouais, si j'ai encore mes techniques que je viens d'acheter là. Putain, je vérifie pour être sûr. Ah non, mais j'ai bien encore mes techniques. Oh, en fait, on revient juste en arrière. Après être mort. Oh. Mais par contre, je sais pas s'ils reviennent. Ah, apparemment, ils ont l'air de revenir, ces créatures. Bon, c'est pas grave. Hop là, ça te calme. Putain, quand même, on perd contre un monstre que je... Depuis tout à l'heure, j'en bats plein. Reviens ici, toi. Ah bah oui, du coup, il aura pas eu. Hop. Ah, oh, comme par hasard, il y a une voiture qui me donne la vie, quoi. Écarte-toi. Ouais, du coup, on va ouvrir quand même ce coffre, comme ça, c'est fait. Voilà, de la vie alors que j'en ai plus besoin. Ouais. Oh, je t'ai oublié toi. Wow, on est où là? D'accord. Bon, hé, crève. Ok. Toi aussi, crève. Oula, non, non. Heureusement quand on vient comme ça qu'on perd pas de vie, hein. Parce que vive mes conneries. Il y a un truc là-bas. C'est juste un monstre. Bon, c'est juste un monstre. Alors, est-ce qu'on peut... Ah, il y a une autre porte. Bon, avant ça, hop, il y a un truc à filer ici. Bonjour. C'est quoi ça? Bonjour. Bon, d'abord on va éliminer tout ça. Voilà, avant on va ramasser le coffre. Enfin, entre 666, maintenant c'est 777. Hop, plein d'hommes. Bon, peut-être un truc à faire avec un nouveau pouvoir plus tard, je sais pas. À retenir qu'il y a quelque chose ici, une boule bleue. Bon, au moins on a ramassé un coffre entre temps. Voilà. Donc nous voici ici. Ah, je vais me dire qu'elle est pas se réveiller. Je suis venu pour le destructeur. Mon frère a parlé de ta venue, mais une puissante malédiction me retient ici. Je ne peux pas t'aider. Les malédictions peuvent être brisées. Oui, peut-être. Les serviteurs du destructeur sont invisibles dans le royaume des ombres. Par leur sang, nous sommes liés. Par leur sang, nous serons libérés. Je ne peux plus me déplacer dans le royaume des ombres. Ma puissance a beaucoup faibli. Pas la peine d'y entrer. Je te donne le pouvoir de lire dans le royaume maudit pendant un temps. Mais à quelle fin? Quel espoir pouvons-nous avoir
face au pouvoir maléfique du Destructeur. Ce n'est pas l'espoir qui vous donnera la liberté. Oui. Ok. Et tu les tous. Ils ne peuvent pas être si durs à trouver. Du coup. Du coup. Faites tout ce que j'ai visité, je retourne là où j'étais. Ok. Oh, une sorte d'arène, c'est cool ça. Wouah. Un œil de Sauron. Non, j'ai connu. C'est un œil tout court. Bonjour. Je suis le valeureux. Je voyais. Vaincre 40 ennemis dans le temps parti. Oh, c'est une sorte de... d'arène quoi. Avec un temps limité à faire. Avec un certain nombre de nombre d'ennemis. C'est moi, marche n'importe où, non, je s'enfuis de moi en fait. C'est pas une balle. Allez, dépêchez-vous là. Pas de temps à perdre. Ah, en plus, il sert à rien de toucher quand même. On dirait vu le nombre qu'ils sont. Ah, y'a pas de zombies, d'accord. Ah bah tiens, les anciens. L'épisode de Gamma. Ah, il en reste plus beaucoup, une petite dizaine. Ah, putain, il y a une petite chose. Ouais, 3000, petite pièce quand même. Hein. Parce que je pensais qu'il y aurait que des ennemis en fait, non. Aïe. Mais ah, mais non, mais comment ça. Oh, me faire mal, quoi. C'est bon. Oh, mais non. Ah, c'est bon, c'est bon. Oh, putain, évidemment, il y en a un autre. On va éliminer d'abord les génères. Voilà. 40 ennemis alors qu'il y en a un peu plus. Ouh. Sérieux? Pourquoi je me fais chier avec le gros alors? Bah ouais, je me fais chier pour rien là. Monsieur Meneuil, je peux passer. Ton œil. Voilà qui était amusant. Le temps a commencé. Allez. Hop. Ceci, en fait, un coffre pour récupérer le pouvoir et un coffre pour me régénérer. Ok, c'est sympa, c'est équitable. Donc je dois tout me lâcher au niveau des pouvoirs si c'est pareil partout. Ok, alors. Excusez-moi. Donc on finit toutes ces petites nanailles et normalement on finira l'épisode. Je veux pas arrêter en plein de quêtes. Bédou! Oula, ça va être quoi ce coup-ci?
Allez, vas-y, c'est quoi le défi ce coup-ci? Tu as encore 40 ennemis? 50? 60? Ah! Bah oui, c'est marrant. Battez 5 ennemis avec des kobos à rien, dont le temps imparti soit rapide. Ok. Ah bah, vraiment que j'ai appris les combos. Ah bah oui, si je commence à me tirer plus déjà. Ah bah voilà. Wow, c'est pas très bien compliqué. Voilà. Hop, c'est fini. C'était beaucoup plus simple que l'autre. Vas-y, monsieur Nanaï. Viens que je t'éclate ta neige. Hein? Viens, je vais m'amuser. Excellent. Ah bah oui, quand c'est un Nanaï sur défense, l'autre il se pointe, hein. Hop, pour le plaisir, on ouvre les coffres. On sait jamais si ça se trouve un succès, ouvrir tous les coffres du jeu. On continue là-bas. Gauche ou droite? Oula. Ouais, hop, on va faire celui-là. Qui est tout là-bas. Ça va être Cosque aussi. Et c'était le plus longtemps possible. Ouais. On va passer par là. C'est plus sécurisant à passer. D'accord. En plus là, on peut les exécuter direct, donc c'est bien. Et hop, on va passer... Je sais pas combien de temps à faire que des TB. Évidemment, je vais mettre l'autre ennemi que ça. C'était sûr. Bon, au moins, on a fait le monstre volant. Ouais, j'ai toute ma vie qui m'a enlevé d'un coup là. Pas du tout ça, vraiment qu'il y a une casse de vie à chaque combat. Attends, je vais appuyer sur B. Hop. Voilà. Bon, ça va être presque aussi rapide que tuer les autres. Sauf que là, faut que j'exécute à chaque fois. Ah. Mais les monstres, ils sont, les ventes, elles sont faibles, mais ils sont casse-couilles dès qu'ils sont là. Voilà. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils nous régénèrent. Ah, mais non, franchement, la connerie. Bon, c'est pas grave. Viens ici. Hop. Exécuter. Toi, je peux exécuter aussi. Aussi. Et tous. Là, j'ai un cap. Ça me fait un 20ème. Oula, je les avais oubliés ceux-là. Je veux pas de toi.
le chope tout de suite. Heureusement que j'ai exécuté l'autre, sinon je me suis pris une bonne gueule. Bon, je suis pas obligé de tuer le gros, hein. Tant que je m'occupe des autres, tant que j'ai mes 30 exécutions, c'est bon. Oh putain, il m'a touché. Ah bah il y en a deux maintenant, ça va s'amuser. Je me laisse exécuter ton pote. Ok. Viens mon petit, viens, et hop. Ah, tu tiens, mais encore deux. Ouh. Et encore un. Ah, c'est bon, gagné. Oh, j'ai failli mourir. C'est bon, stop, ne touche plus. Stop. Faites geste. Hein. C'est dangereux de pas s'occuper d'eau en fait, hein, mais bon, ça valait le coup. Voilà. Je suis même très cassé avec elle. Je crois que c'est un épisode un peu plus long que les autres, j'ai l'impression. Oui. Vu le peu d'épisodes que je sors par semaine, à peu près une par semaine de Darksiders. Donc, normal que je fais un épisode un peu plus long. Parce qu'à la base, j'étais pas censé faire ce jeu en let's play, mais sur un coup de tête, je me suis dit, tiens, c'est un bon jeu, j'ai envie de le faire avec vous. Et surtout le faire découvrir pour ceux qui l'ont pas. Mmh. Ouais, j'ai envie de casser des voitures. Allez, le dernier. Il va ramasser la voiture au lieu de passer dans le portail. Allez, le dernier. Et la malédiction va être levée. Ah, ça va être quoi ce coup-ci? A tous les coups, ça a été résisté plus longtemps que possible. Ah! D'accord. Okay. Ouais, ça va me poser légèrement problème. Ça. Tiens! On va sauter. En plus, si je me fais toucher, c'est pas encore mieux. Allez, en plus, ça continue à tuer, quoi. Mais non, arrête de me toucher, tout à l'heure je tape. C'est vrai qu'il y a eu des caisses de vie tout le long. Ah, c'est trop longtemps que j'ai pas eu ça. Le fond. Et, attends, les zombies je peux les tuer direct. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Découverte. Ouais mais non, t'as pas le droit, petit monstre, t'as pas le droit. Ça va, ça va. Avec des petits monstres comme ça, donc c'est pas très bien compliqué. Je dis ça au moment où il va apparaître un vidéo. Non, bon, ok. Ah bah si, il y a des plus gros qui arrivent. Juste un petit peu plus de vie. Ah, c'est l'étude directe cette technique en fait. Intéressant.
T'aurais dû faire ça depuis longtemps. Oh non, t'as... Dès que j'ai moins d'une barre de vie, je commence à me régénérer par précaution psychologique. Ouais. Bon. On va reprendre ça. Ah non, c'est déjà ouvert, d'accord. C'est considéré comme ouvert. Là, je crois qu'ils avaient remis les coffres. Ok, j'ai plus qu'un coffre de soi en fait. Ok. On va. Aïe 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 aïe. Ok, c'est bon, je suis pas obligé de tuer le gros, il y en a d'autres qui apparaissent. Faut juste se régénérer vite fait. De toute façon, normalement, il y aura un autre coup de soin, quoi. Oui. Voilà, donc c'est bien, on n'est pas obligé de tuer les gros ici. Ouais, ouvre-moi là, que je tue le dernier d'un œil. Contre-attaque, les réflexes de guerre ont été réveillés, permettant de contacter toute attaque physique au projectile. Appuyez sur RV juste avant l'impact. Ah, intéressant. Alors, hop, pour une fois, c'est quoi, pour me servir pour régénérer les trucs. Ouais, donc en fait, c'est mon petit pouvoir, ça les tue quand même en un coup, c'est bien ça. C'est bien, il faudra que je l'améliore. On va collecter 5000 âmes pour améliorer tout ça. Bon, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, on va revoir. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire aussi. Donc on va revoir Monsieur le Golem et on va s'arrêter après. Pas une touche pour courir à part ça. Bon. Bouger. Ah ouais, attends, hop, c'est là-bas. Bonjour, monsieur le Golem, je reviens vous libérer. Eh ben c'est bon. Cette amélioration augmente les dégâts de guerre avec un armement improvisé. Ok. Est inséré. Okay. Bon, on verra ça plus tard. Bon, on va s'arrêter ici. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais, liker la vidéo, me rejoindre aux réseaux sociaux, me dire ce que vous en avez pensé. Dans les commentaires évidemment, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut !